Moi qui sors de la formation école de vie, voilà, on m'a pas appris à vivre, et mais on m'a vraiment invité à me poser la question, mais en fait, qu'est-ce que je fais là? C'est une formation qui est basée sur les sciences humaines, notamment la psychologie, l'anthropologie, la philosophie, mais également qui est basée sur des domaines tels que les arts, le développement personnel, la spiritualité. La formation École de vie a changé de nom. Aujourd'hui, elle s'appelle Qu'est-ce que je fais là? Éthique d'une vie partagée. Donc, peut-être vous connaissez ces mots de Jean Houry, et selon lui, c'est une question qu'on devrait toujours se poser, une question fondamentale qu'on devrait toujours se poser. Voilà, pendant ces 3 semaines, j'ai été invitée à m'interroger sur qu'est-ce qui fait mon socle, qu'est-ce qui fait mon essence, qu'est-ce qui fait d'où je viens, quelles sont mes racines, qu'est-ce qui m'a construit, mais aussi qu'est-ce qui fait la femme que je suis aujourd'hui, de quelle essence je suis faite. Ça a également été une invitation à m'interroger sur mon environnement, sur la relation aux autres, sur mes propres relations avec les uns et les autres, la diversité, l'altérité. Mon environnement, le vivant, ce qui m'entoure, ce qui me dépasse. Ça a été une invitation à aller aussi plus loin, à m'interroger sur ce que j'ai envie de mettre en perspective, quels sont mes horizons, mes aspirations. Une invitation à nommer le sens qui a donné pour moi aujourd'hui. Cette formation sur 3 semaines a vraiment été un espace d'approfondissement personnel. Et évidemment, une grande invitation, un grand espace pour m'interroger sur les relations que je vis à l'Arche, sur l'engagement qui est le mien au sein de l'Arche, mais aussi sur mes propres rapports avec l'Arche, sur nos propres fonctionnements et sur ce qui fait le cœur de ce vivre ensemble. On peut dire. Que j'ai été invitée à explorer une éthique de la vie partagée. Et j'en dirai pas plus, bonne découverte de cette formation nouvellement nommée.